rappelle que Madame François, c'est pour 4 minutes, suivie par Madame Gazelle pour 4 minutes également. Madame la Présidente, chers et chers collègues, pour aborder le rapport sur le projet de loi de finances, il nous faut rappeler la nécessité et l'urgence d'investir à moyen et long terme, en particulier au travers de financements publics, et cela dès l'année 2025, et notamment pour mettre en place une Europe de la défense avec une priorité évidente sur l'armement, pour assurer la sécurité et de l'Union européenne et l'intégrité territoriale de certains pays limitrophes, dont l'Ukraine, mise en danger par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, pour s'adapter aux impacts du changement climatique et notamment à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques de grande intensité, comme les dramatiques catastrophes subies par nos voisins espagnols, mais aussi en France. L'adaptation, trop longtemps négligée par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, requiert des mesures drastiques et des investissements colossaux, tout particulièrement sur la façade méditerranéenne et donc en Occitanie, notre région. Pour transformer et relocaliser nos productions industrielles et agricoles et juguler le décrochage industriel européen par rapport aux États-Unis et à l'Asie, tel que souligné récemment dans les rapports de Mario Draghi, Enrico Letta et Jean Pisani-Ferry. La série accélérée de fermetures de sites industriels et de plans sociaux de cet automne, qui n'épargne pas l'Occitanie, vient rappeler l'urgence d'investissements massifs dans l'Union européenne, chiffrés entre 800 et 1 000 milliards d'euros annuels avec une part importante de financement public, pour transformer nos capacités de production, depuis l'amont, en dopant une recherche publique et privée, qui notamment en France est en anémie chronique, vers l'aval, autour de nouveaux procédés, méthodes et services. Tous ces éléments, avec bien d'autres, ont été au cœur de la campagne européenne et des propositions que nous avons défendues avec Raphaël Glucksmann qui s'avèrent et vont continuer à se révéler prémonitoires. Paradoxalement, alors que la situation européenne, et donc française, exige des investissements massifs, la France est confrontée à une situation budgétaire de court et moyen terme préoccupante. Situation à laquelle le gouvernement actuel répond en premier lieu par une réduction drastique et immédiate de la dépense publique. Comme l'a noté récemment l'économiste Zucman, qui dirige l'Observatoire européen de la fiscalité, le plan Barnier impose une consolidation budgétaire trop rapide à partir d'une erreur de diagnostic. Il ne faut pas se focaliser sur les dépenses quand le problème vient des recettes fiscales. Et l'important n'est pas tant notre niveau de dette que ce qui va créer de la croissance, de la prospérité, du bien-être à l'avenir. Et historiquement, ce sont des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la recherche, les infrastructures, la culture qui ont joué ce rôle. Et il n'y a pas de raison que ces fondamentaux changent. Cette révision de la fiscalité, notamment sur les hauts patrimoines privés et l'industrie très profitable, figure maintenant à l'agenda du G20 et va nécessairement advenir. Et donc la politique budgétaire à contresens du gouvernement Barnier affecte en premier lieu, directement et indirectement, les collectivités territoriales et en particulier notre région. Il est d'ailleurs paradoxal de prôner la décentralisation au nom de la démocratie et pour agir au plus près des cadres et des modes de vie des citoyens et de cibler en priorité les finances des régions. Que vont induire ces coupes sombres dans les finances régionales et ce malgré le volontarisme de la région et donc de notre présidente? Moins de services publics, moins d'investissements dans l'aménagement du territoire et les infrastructures collectives essentielles à la transition industrielle et agricole, au détriment évidemment des habitants de l'Occitanie et des territoires. Même si nous n'avons aucun intérêt à une augmentation de la dette publique qui nous mettrait à la merci des marchés financiers et réduirait nos marges de manœuvre, il est essentiel que les investissements publics préparent notre avenir. Il est donc important politiquement de se placer dans une trajectoire à moyen, long terme plutôt que dans l'immédiateté. C'est l'Union européenne qui possède indéniablement les meilleures capacités d'investissement et donc d'emprunt, dont la composante REACT-EU vient directement en soutien de la politique de cohésion de l'Union européenne et donc de la région Occitanie. Il faut maintenant et notamment ouvrir un débat politique autour du plan budgétaire et structurel à moyen terme 2025-2029, récemment publié par le gouvernement français, curieusement passé sous silence politique et médiatique, alors qu'il constitue la base de discussion actuelle avec la Commission européenne. C'est donc sur cette trajectoire politique, économique et budgétaire de moyen et long terme qu'il nous faut travailler à tous les niveaux, territoriaux, nationaux et européens, pour créer la dynamique nécessaire aux nombreuses transitions obligatoires que nous avons devant nous et éviter d'amplifier le risque de décrochage régionaux, national et européen par des coups de frein intempestifs. Pour dire encore que ce budget avec ses mesures sont absurdes, injustes et dangereux. Je vous remercie.